Bonjour Patrick. Tape Orlando. Pourquoi Orlando? Pourquoi Orlando? Alors ça c'est la question qu'on pose toujours. Parce que je suis arrivé à Orlando il y a 5 ans et j'étais à Los Angeles avant. J'étais pendant 25 ans à Los Angeles. Donc c'est un assez gros changement au niveau culturel. Et la réponse est très simple. C'est la réponse de tous les gens qui viennent ici. En général, quand ils sont vieux, ils ne sont pas nés ici. C'est une histoire de famille. Alors moi, je suis venu parce que j'ai épousé une femme qui est de Floride, que j'ai rencontrée à Miami, que j'ai amenée à Los Angeles, et qui m'a ramené en Orlando. Voilà. Et avant ça, j'ai une agence de publicité et un studio de design. Et ce que je fais, je fais des campagnes, je fais des billboards, des brochures, des websites. Et quand j'étais à Los Angeles, je faisais beaucoup de entertainment et fashion. Et j'avais un magazine, je publiais un magazine en fait. Et grâce à ce magazine, j'ai rencontré énormément de photographes et pendant 25 ans, j'ai cultivé une espèce de relation avec beaucoup de photographes internationaux. Et quand je suis arrivé ici, beaucoup de choses ont changé. Maintenant, je suis à Orlando, je ne fais pas tellement de pubs dans l'entertainment ni dans la mode parce que ce n'est pas ce qui se passe ici. C'est beaucoup plus corporate. Et ce que j'ai fait, j'ai adapté mon style fashion et entertainment au corporate. Donc, je leur donne une petite note de fashion qu'ils adorent sans avoir trop au-dessus de la dose. Et donc, ça leur permet d'être un petit peu différent des autres et en gardant leur côté très très corporate. Voilà ce que je fais. Et donc, maintenant que je suis là, j'avais décidé de, comme je ne publie plus le magazine à Los Angeles, j'avais un manque. Parce que c'était ma passion. Et au lieu de publier ce magazine sur des pages, j'ai eu l'idée d'en fait de les publier sur des murs. Et donc amener tous ces photographes internationaux et de faire une énorme exposition qui en fait mériterait autant que d'avoir un magazine dans toutes les mains, ça serait quelque chose de tridimensionnel. Concerne Snap tout particulièrement. Qu'est-ce qui motive vos choix des photographes qui sont représentés? Alors, chaque année, on a un thème. Alors, la première année, on avait un thème qui était orienté sur la mode. Donc, nos choix se faisaient d'une manière assez facile. C'était des photographes de mode et des célébrités. La deuxième année, on avait un thème qui était plutôt surréel. Alors, c'était des photographes qui faisaient beaucoup de compositions artistiques avec leurs photos. Et de choses qui n'étaient pas forcément des prises sur one shot. Et donc cette année, on a décidé d'aller sur des photos qui sont plus raw, comme on dit en anglais, plus instinctuel. Cette année, le thème c'est Urban Wild, et Urban Wild ça veut dire la cité, l'urbanisme. Wild c'est tout le côté animal, nature. Earth. Et quand il y a Urban Wild ensemble, c'est la coexistence entre les humains et l'environnement qui crée ces espèces d'étincelles qui sont bizarres ou qui sont formidables. Et c'est là où on a des images de mode, des images très excentriques qui sont créées à partir de cette coexistence. Magnifique. Sur le Snap, il faut que j'explique quand même que la raison pour laquelle j'ai fait Snap, c'est que j'ai constaté qu'il y avait une opportunité ici à Orlando de modifier l'identité de la ville elle-même. Chose que à Los Angeles, évidemment, je pourrais faire quelque chose comme ça, et ce serait un événement parmi tant d'autres, aussi bien soit-il. Par contre, ici, comme le climat culturel n'est pas encore bien développé, je pense que j'ai l'occasion, avec Snap, de créer vraiment une marque et qui peut en fait aider la ville à changer leur identité parce qu'ils ont une identité tellement fixée avec Disney qu'ils ont vraiment besoin que les gens changent la perspective et disent non, Orlando quand même, c'est une ville où il y a vraiment de la culture. Quelque chose comme Snap, où il y a des photographes qui vont venir du monde entier et qui vont se rencontrer, comme ça s'est passé ces derniers temps, ils se sont rencontrés ici. J'avais un photographe français,
Brésil et un d'Allemagne. Ils se sont tous rencontrés, ils sont devenus best friends. Et maintenant, ils vont commencer à networker dans le monde entier. Et donc, si j'arrive à créer avec cela cette espèce de networking